Hey Vickies, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto make-up. Alors, en fait, c'est un make-up hyper super rapide à faire, hyper simple à faire aussi. Enfin, c'est un make-up idéal pour l'été dans le sens où il est hyper naturel. Il demande pas beaucoup de temps. En soi, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits à utiliser. Donc, en espérant que la vidéo elle vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la suite. Bisous la famille. Maintenant que j'ai fini de me brosser les sourcils avec mon mascara de chez Essence, je vais venir faire mes sourcils. Je prends comme ceci de la matière en haut. Ensuite, je me positionne comme ça. Et je fais mes sourcils en commençant toujours par la ligne du bas. Avec mon pinceau à sourcils, enfin ma brosse, pinceau, tout ça, mon gel à sourcils plutôt, même si je n'utilise pas vraiment en tant que gel à sourcils, je vais venir rebrosser comme ça les sourcils vers le haut, même si il l'était déjà. Avec mon fond de teint que je n'utilise pas vraiment comme fond de teint, je vais juste venir prendre avec un pinceau pour venir nettoyer mon sourcil. Je vais juste venir avec mon pinceau venir estomper, même si ce pinceau là il n'a pas du tout de base la fonction d'estompeur, mais bon. Une fois que c'est fini, je vais reprendre mon fond de teint, l'appliquer comme ça sur mon pinceau et juste là venir le mettre sur ma paupière en fait, parce que ça va permettre d'éclaircir ma paupière. Parce que comme vous pouvez le voir, ma paupière est très sombre. Vraiment très sombre. Là j'ai pris beaucoup trop de fond de teint. Mais bon, c'est pas grave. Pour ma paupière, je vais pas faire très très compliqué. Je vais juste mettre une seule couleur. C'est la couleur 35-0 de ma palette Beauty Glam. Yeah. Donc, celle-là, cette couleur-là. Maintenant, je vais juste venir prendre mon crayon et l'appliquer en dessous et au-dessus de mes yeux en fait. Je sais pas comment dire. Maintenant, je vais juste venir repasser un coup de mascara. Maintenant, je vais juste passer à ma face en fait. Je vais appliquer ma base matifiante de chez Kiko. J'en ai vraiment appliqué sur tous les endroits qui nécessitaient que j'en applique. Maintenant, avec mon fond de teint de chez Kiko aussi, je vais venir parfaire le tout.
juste maintenant venir ajouter ma poudre. Pour ma poudre, je vais utiliser quelque chose que je suis très très pressée d'essayer. C'est tout simplement les pinceaux de chez Action. Donc, j'avais un paquet comme ça de pinceaux de chez Action. Il n'y en avait que deux à l'intérieur, mais en gros, comme je pars en voyage, j'utilise ça pour mettre tous mes pinceaux. Donc, le premier pinceau, il est comme ceci. Il y a clairement indiqué dessus en plus pinceau pour la poudre. C'est pratique pour ceux qui commencent, débutent dans le make-up. Et le deuxième, c'est un pinceau comme ça. En gros, c'est à peu près le même pinceau que j'ai utilisé. Mais franchement, celui-là, il a l'air beaucoup plus doux. Avec ma poudre qui vient aussi de chez Kiko. Hop. Il est hyper agréable quand tu le mets sur la peau, genre. Genre là j'ai plus besoin de mettre de poudre pour mon visage, mais genre c'est tellement agréable en fait de faire ça que wesh, je pourrais passer genre des heures à faire. Je vais juste finir mes points parce que vous me connaissez, moi et mes points c'est une très très longue histoire. Mes points, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes points ils sont jamais au même endroit. Ok. Maintenant, je passe au gloss. Et ensuite, j'ai graffiné mon make-up. Franchement, je crois qu'on peut pas faire plus simple comme make-up. C'est le make-up le plus simple du monde, je crois. Vraiment. Passe un petit coup de cheat sheet. Celui-là, il vient de chez NYX. Je l'ai acheté exprès comme ça parce que c'est un petit finisseur mat de voyage en fait. Il est trop mignon, trop cute. En plus, il coûte 3,50€. Parfait, genre. Donc voilà. Et donc, la fin de ce petit tuto make-up. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.